L'espace La Tribune est un lieu public, reposant et grandeur nature. Photographes professionnels et badauds se côtoient à longueur de journée. Le deux cohabite dans le respect des limites sociales. Quand il s'agit de prendre la photo, vu que je ne dois pas apparaître sur la photo de quelqu'un, s'ils prennent des photos dans ma direction, la seule chose que je peux faire, c'est de quitter le lieu où je suis et me déplacer de l'autre côté. Parce que je ne peux pas l'interdire de prendre la photo. Moi, personnellement, je ne peux pas encore refuser qu'il puisse prendre la photo dans ma direction. Si tu vois que non, moi, je ne dois pas apparaître dans cette image, donc dans cette carte photo-là, tu peux dégager. Dans cette cohabitation harmonieuse, le souci majeur est de ne pas se gêner mutuellement. Si je veux prendre une photo, je m'arrange à ce que c'est lui qui est derrière, s'écarte de la vue, parce que c'est un milieu public. Tant qu'il y est public. L'usage de téléphone portable pour la prise de selfie s'érige en obstacle pour le zin. Oui. C'est un manque à gagner pour nous parce qu'ils se font des selfies au lieu de recourir à nous les professionnels. Moi j'ai mon téléphone qui prend déjà mieux la photo. Ah, mais t'as pas ma photo au téléphone. Hein. Si lui ça le dérange, moi ça me dérange pas du tout. Je vais à marketing, il y a qui n'a pas de ma côte. Peut-être pour des raisons marketing, il peut solliciter à ceux qui me prennent une photo, mais c'est pas obligatoire. Ils détruisent notre métier en recourant au téléphone au détriment de nos appareils photo professionnels. Pendant la saison sèche, l'espace vert La Tribune perd progressivement sa beauté et il est moins fréquenté. Dans un milieu public comme celui-ci, seul un bon civisme peut entretenir une bonne cohabitation.